Le Burkina Faso est l'une des 10 nations les plus pauvres du monde. Peu de touristes viennent dans ce pays qui pourtant aurait besoin de l'économie générée par cette activité. L'ancienne Haute-Volta offre cependant de nombreux atouts dont le plus emblématique est un tourisme discret. Sortir des sentiers battus, aller là où les autres ne vont pas, voir des villages authentiques, y apprécier la culture et les traditions africaines et l'extrême gentillesse de la population, sont les choix faits par une dizaine de Français qui a choisi de vivre un séjour en camping, authentique et solidaire, avec les habitants. Les 7 premiers sont de la même famille, dont 3 sœurs, avec eux, Patrice et Maggie. Ce petit groupe est arrivé à Ouagadougou, la capitale. Sans attendre pour faire le tour du pays, ils ont embarqué à bord du minibus qui sera leur seul moyen de transport pour les 12 prochains jours. C'est Jean-Pierre et son épouse Dani qui ont initié le reste du groupe aux vacances équitables. Dans un premier temps, ils devront se rendre à Bobo-Dioulasso, au sud-est du pays, 7 heures de trajet minimum. Avant de prendre la route, ils ont prévu de visiter Kiogo, une association créée en 2005 et qui aide des enfants en difficulté de vie. Ils sont reçus par Patrice, l'un des éducateurs spécialisés. La pauvreté, l'effondrement des structures familiales et communautaires, et parfois celles des traditions, sont en partie responsables de l'abandon de ces enfants. Je suis psychologue, responsable psychosocial au niveau de l'association Kiogo. On travaille exclusivement en rue pour voir un peu comment assister les enfants qui y vivent. Leur trouver, les écouter d'abord, voir un peu quels sont leurs besoins, essayer de trouver des réponses. Quelquefois, nous recevons des enfants qui nous sont référés par les différents commissariats de police ou bien les brigades de gendarmerie, pour ce qui est des mineurs en conflit avec la loi, ou bien des enfants qui en font exprès la demande de venir dans un centre pour être préparés pour la réinsertion familiale définitive. Aujourd'hui, c'est samedi, donc l'administration ne travaille pas, mais il y a un service de permanence avec les enfants. On pourra éventuellement voir avec eux si on peut échanger avec les enfants et puis visiter un peu les locaux, si c'est possible. L'un des 4x4 de l'association part en mission, direction le centre d'accueil destiné aux jeunes filles. Il est implanté dans les faubourgs, loin des tentations de la ville. L'an passé, il y avait 8000 garçons et 400 filles recensés comme enfants des rues à Ouagadougou. Adélaïde Sowado est responsable psychosociale. Elle sait bien que si les filles sont moins nombreuses, elles sont aussi souvent plus exposées. Prostitution, sida, coups et blessures, séquestration. Depuis un certain temps, on voit qu'il n'y a qu'une augmentation de ce phénomène. De plus en plus, des enfants viennent en rue pour plusieurs raisons. Il y a la pauvreté généralisée que nous connaissons. Donc, il y a des familles entièrement qui sont pauvres, qui n'arrivent même pas à subvenir à leurs besoins ou ni assurer les repas quotidiens. Cela fait que les enfants viennent en rue à la recherche du travail, à la recherche de l'habitance pour pouvoir se subvenir à leurs besoins. Et il en est de même pour les filles aussi. Elles viennent en ville à la recherche du travail. Au centre Pambila, la petite force, un millier de jeunes filles est passé dans ce sanctuaire. Une sur deux a retrouvé une vie sociale normale. Pour les autres... Ça va ? Ici, c'est le centre Pambila 2. Mais actuellement, je sais qu'il y a 15 filles avec... c'est combien de bébés? Combien de filles sont enceintes? 3 qui sont enceintes. Donc, si 3 sont enceintes, ça fait 12 filles mères. Et une qui est partie. 13 enfants. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a une qui a des jumelles et il y a une qui vient de partir pour accoucher. La principale action d'Adélaïde est d'écouter et conseiller ces jeunes filles en souffrance. Asseyez-vous. Ça va? Bien. J'ai fait le bien là, c'est pour toi et pour ton enfant.
C'est comme si mes enfants aussi se trouvaient dans la même situation. Et je suis en devoir de t'aider. C'est compris? C'est notre devoir, c'est notre association qui fait comme ça. Nous aidons n'importe quelle fille, n'importe quel garçon, en tout cas qui se trouverait dans une situation, quel que soit ton pays d'origine. Les parcours de ces jeunes filles ressemblent tous à celui de Lucienne. Et moi et un garçon, on se suivait. Mais entre-temps, je me suis rendu que je n'étais pas comme avant. Donc, j'ai piqué une grossesse. J'ai venu compter au garçon, mais il ne m'a pas écouté. Donc, ça veut dire qu'il ne veut pas reconnaître la grossesse. Alors, dans notre famille, on ne peut pas rentrer sans... Une fille ne doit pas tomber enceinte sans mari. Mais comme le monsieur ne veut pas reconnaître la grossesse, ma famille m'a abandonné. Donc, les hommes m'ont envoyé sur les tentis. Et ils m'ont ramené ici, dans une centre d'accueil. Je vois que je suis à l'aise maintenant. Parce qu'avant, là, je n'avais pas de maison pour dormir. Mais grâce à eux, je dors dans une maison, je marche. Donc, le jour de mon accouchement, Dieu a été près de moi. Je suis accouchée en bonne santé. Donc, je remercie bien le centre. Si je puis sortir ici, comme je faisais des études, je voulais continuer mon école. Elle s'appelle Jean-Bré Caroline. La plupart des filles qui sont ici sont prises en charge à tous les niveaux. Sur le plan alimentaire, sur le plan vestimentaire, sur le plan sanitaire, et sur tous les plans, en fait. Mais s'il n'y a pas l'argent, ça fait que ça ralentit un certain nombre d'activités. Par exemple, le retour en famille, ou bien les renouements, les médiations, les recherches de paternité. Il faut des sorties vers les villages, vers les parents, vers les structures. Donc ça nécessite un certain nombre de moyens humains, matériels et puis financiers. Retour au centre des garçons, visité par notre groupe. Ils ont apporté avec eux des objets utiles. Après, c'est le bébé. Mais si, ici, il y a un terrain, la peinture doit être dans des sacs. Ok, d'accord. On va regarder. Okay. Bon, merci beaucoup. D'accord. Je te redonne tout ça, du coup. Comment tu vas l'emmener? Ah, bah, la peinture, il y en a là, mais il y en a d'autres. Ah. Ça doit être dans les sacs, là. Bah, on est un peu quoi. C'est le cas de le dire. Bah, devant tout ce qu'il y a, tout ce qu'on amène et tout ce qu'on fait, c'est très, très peu. Je pense que ça leur fait plaisir quand même. Je crois que le plus grand plaisir est pour nous de les avoir rencontrés et puis d'avoir participé à quelque chose de concret avec des gens qui s'occupent d'eux toute l'année. Quoi. Nous, c'est très, très peu ce qu'on fait. Bon, bah, chef. Au revoir, bon courage. Hein. Bonne santé. Bon courage à vous tous. Premier bivouac. Oh ben moi ça j'ai eu le virus un petit peu de l'Afrique, ça remonte déjà pas loin d'une trentaine d'années. J'ai eu l'opportunité de suivre avec des amis le Dakar. J'ai pris goût au bivouac, j'ai pris goût à ce type d'aventure avec des gens qui vivent pas au même rythme que nous, qui. C'est l'authenticité, c'est la simplicité. Petit à petit, au fil des années, je me suis senti en Afrique un peu comme chez moi. Nous qui sommes des nantis et qui voulons toujours plus, ils se contentent de ce qu'ils ont. Sans... Ben, on a choisi ce type de voyage pour simplement être au plus près des gens, pour aller dans les villages, pour les rencontrer, pour avoir des guides locaux, pour faire connaissance tout simplement de leur culture, de leur tradition, de leur religion. Enfin, ça fait un tout, quoi. Quand tu prends des voyages et que tu t'arrêtes dans un hôtel 3 étoiles, c'est pas ce qu'on recherche et tu n'as pas ce contact avec la population et tu vois des choses ici
que tu ne vois pas en ville et dans des voyages organisés, plus luxueux, avec des structures beaucoup plus abouties. Donc nous, c'est ce qui nous plaît, c'est un peu l'aventure pour nous. Les restos du cœur. Tu vois, en Afrique, on boit de la bière alors qu'on n'en boit jamais. Et on boit de la soupe. On boit de la soupe alors qu'on n'en mange jamais. C'est Alassane, le cuistot, qui prépare les repas. Bon appétit. Ça a été extrêmement bruyant, non pas à cause des camions, mais à cause de ce sinistre individu qui a ronflé et qui était en apnée toute la nuit. Dans une tente comme ça, c'est très très dur. Très bien, très très bien. Un petit peu mouvementé l'avant-nuit, mais après ça s'est très bien passé. Et voilà, regardez, c'est fabuleux ça. Rustique, mais très agréable. Et puis... la découverte de, des gens qu'on ne connaissait pas, et puis l'observation un petit peu des préparatifs aux 12 ou 13 jours, je ne sais plus, qui vont suivre, mais c'est sympa. 3, 4, 5, 6. Ah bah, faut pas mélanger. Hein. C'est que des enfants. Mais moi, ce que je voudrais, c'est vider un sac et le garder avec moi. D'accord. Bah, c'est des vêtements qu'on a récupérés, mais dans la famille. Dans notre famille, uniquement. Des amis qui ont eu des enfants. Choses qu'on est allé, et... voilà. C'est uniquement par des amis, par des enfants, par nos enfants. Donc voilà. Et depuis qu'on sait qu'on part, on récolte à droite à gauche des vêtements. Non, mais on fait ça chaque fois qu'on vient. Moi, c'est les enfants qui me font vraiment, qui m'émeuvent le plus. C'est les enfants, ça me fait mal au cœur, ça me retourne. Moi, je crois que je les emmènerai avec moi. Vraiment, les petits. Hier, j'ai vu un petit, j'ai des chaussures de bébé, mais elles étaient là-haut sur le camion. Et le petit, il avait des chiffons autour des pieds parce qu'il avait un pied blessé. Ah oui, alors là, vraiment, ça me fait mal au cœur. Et je trouve que si chacun faisait, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais si tous les touristes faisaient une toute petite chose comme ça, je trouve que ça serait bien, c'est tellement peu. Oui, mais il y a des gens qui viennent et qui n'y pensent pas. Ouais. Il y a des gens qui viennent les mains vides, et ça, moi, je n'arrive pas à le comprendre, mais c'est une affaire personnelle. Hein. Chacun fait comme il peut. On avait le droit à 50 kilos, on a 20 kilos pour nous et 30 kilos à donner. Voilà. Et puis on a des affaires d'école, des médicaments, des choses comme ça. Il faudra qu'on trouve, il faut regrouper aussi. Par contre, ce qu'on ne voudrait pas, c'est faire des histoires entre eux, des bagarres. Donc hier, on a compris, hein, on a vu un adulte, on donne à l'adulte. On ne donne plus aux enfants maintenant, ça fait trop de problèmes et ça... Le voyage se poursuit, encore plus au sud, vers Bamfora. Il fait très chaud, 40 degrés. Au moins 4 heures. Au moins 4 heures. Oh là là. 4, 5, on arrivera vers 5, 6 heures. Oh, peut-être 15 heures, maximum. Hein ? C'est Moumouni, le guide chauffeur, qui assure la conduite. Et là, c'est le campement ? C'est le campement ? À la demande des voyageurs, le minibus fait halte dans un petit village. Les femmes dorment avec les enfants. Il y a aussi une seule femme par case. Oui, une seule femme par case. Oui. Et un mari pour plusieurs femmes. Un mari pour plusieurs femmes, oui. Ah, ça arrive souvent, oui. Ah, ça arrive souvent. Donc il choisit le fond. Ça. Qui veut ? Ah. Oui. Oui. J'aime Santa là, j'aime Santa. Tiens, allez, vous va, débrouillez-vous. Là. Oui, papa. Pi-pa-pa. Tu veux danser? Une guerre. Tiens, Tarami. Je sais pas si ça va lui servir tout ça. Regarde. Un petit ciseau. C'est pour couper les ongles, Dani. Un tournevis. C'est la boîte à outils minuscule. Tu veux ? Vous voulez nous faire un vis, un ciseau. Sympa. Hein ?
Tu veux ? Excuse-moi. C'est pour toi. Oui. Comme c'est le grand-père, tu vois ici le grand-père, les gens, les enfants jouent avec le grand-père. Donc comme il est habillé, les habits sont un peu déchirés, ils sont en train de dire qu'il s'est changé. Et il n'est pas présentable comme ça, il a qu'à laisser changer. Au village, les hommes terminent la récolte du coton. Le Burkina Faso est parmi les plus importants producteurs africains. Le coton est pour beaucoup la seule source de revenus. Il est gourmand, il use les sols et laisse peu de place aux autres plantations. Oh oui. Ah, merci beaucoup. Ça, tu veux abattre. Parce ça, que... c'est pas blanc, c'est vert. Hein, voilà. C'est vert. Parce que tu vois, là, il y a marqué mi-juillet, mais ici, avec le soleil et l'eau, tu peux les planter quand tu veux. Dans 3 semaines, ça pousse. Comme vous le constatez, on a une prévision, donc ça va bien déchirer la roue. Donc tout va bien pour le moment. Plus le groupe descend vers le sud, plus il s'éloigne des zones désertiques et brûlantes et plus les paysages changent. La région de Bamfora est l'une des plus verdoyantes du pays, car elle est aussi l'une des plus arrosées. L'occasion d'une halte fraîcheur très appréciée après 5 heures de piste. Moi, j'ai choisi ce type de voyage parce que ce que j'aime, c'est aller près des populations, près des gens, rentrer dans les villages, rencontrer les enfants et comprendre vraiment comment ils vivent dans ce pays par rapport à chez nous où tout nous semble si facile. Dans ce type de voyage, ce qui me ferait peur que ce soit loupé de la part des organisateurs, c'est de ne pas s'arrêter assez souvent dans des endroits un peu perdus, de s'arrêter tout le temps aux mêmes endroits, dans les grandes villes. Les villes où toutes les étapes s'arrêtent, ils voient toujours des touristes. Ils voient toujours du monde, on leur offre toujours quelque chose. Alors qu'à côté, il y a plein de petits villages où personne ne voit jamais, ne va jamais. C'est ça qui me gêne, moi. Moi, je pense quand même que travailler avec des gens sur place, c'est plus intéressant que travailler avec des opérateurs extérieurs, quoi. Donc, j'ai déjà fait des voyages ailleurs avec des opérateurs tout à fait extérieurs. Bon, c'est du grand circuit, c'est du machin tout fait, préparé à l'avance, des hôtels. Alors que là, on est quand même plus... Je dis pas que c'est l'aventure, c'est exagéré de dire ça, mais c'est quand même plus inaccoutumé pour nous. Et puis c'est reposant à mesure où on est habitué à stresser pour que les choses soient faites à l'heure, avec une pendule, avec ses bon, on avance le mouvement. Ça, c'est agréable. Donc le fait que les gens, dans les voyages comme ça, apportent des choses pour soulager un peu la misère, c'est très bien. Moi, je l'ai fait moi-même très longtemps à Madagascar et partout. J'ai apporté beaucoup de médicaments. J'avais des amis médecins qui me les donnaient. Puis j'en ai fait beaucoup avec des affaires, moi aussi. Puis là, bon, ben là on s'encombre beaucoup moins maintenant, mais on voit que d'autres gens le font, ben on est contents, nous. Hein. C'est le plaisir de voir que... Bon, je ne sais pas si ça servira beaucoup, en fait. C'est le peu qu'on fait et qui est fait, que ça prie. Chacun a repris des forces aux cascades de Bamfora. Si au nord, le coton est roi, ici, c'est la canne à sucre qui règne. Le groupe a un rendez-vous de poids sur le lac Tangrel à une vingtaine de kilomètres. Ce lac naturel héberge depuis toujours des hippopotames. Ils sont une centaine et avec un peu de chance et de la patience, le spectacle est grandiose. On vous salue.
Il y a 5 jours que le groupe est sur la route. Le soir, au campement, chacun a trouvé sa place. Les nuits se passent très bien. Depuis que nous sommes arrivés, on a. Mais je fais plus frais le matin maintenant. Par rapport aux 2 ou 3 premières nuits. Enfin, on survit. Faut bien survivre. Attends. Au début, c'était le bazar. Jean-Paul, c'était le bazar au début. Ouais. Et puis regarde maintenant. On a trouvé. Alors comme d'habitude, c'est les femmes qui. Ah non, c'est les femmes qui font la lessive. Ah, les hommes qui installent de quoi dormir correctement. Et puis voilà. Mais la nuit, il fait froid et le matin, il caille. Hein. Ah, ils sont là. Il fait froid le matin. Voilà. Ce matin, ce sont 218 km qu'il faudra parcourir pour rejoindre Gawa, en pays Lobi, tout au sud du pays. La frontière avec la Côte d'Ivoire est toute proche. Elle accueillait de nombreux Burkinabés venus y chercher fortune. Les troubles de ces dernières années les ont incités à revenir au pays, augmentant la démographie de façon significative. Avant d'arriver à Gawa, Jean-Pierre et Dany, avec l'accord du groupe, ont souhaité faire un arrêt dans un dispensaire. Voilà, nous vous apportons des billets et un peu de médicaments que nous avons récupérés chez nous. Voilà. On peut rentrer ? Oui, vous pouvez rentrer. C'est vraiment gentil. Un peu surprise par cette venue, Aimée-Claire Nikiema les accueille. Elle est infirmière dans ce dispensaire depuis 1 an. De toute façon, il y a beaucoup de comment, pour soulager, d'antidouleurs. Hein. Oui, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Ça, c'est la même chose que ça. Ça, c'est des préservatifs. Hein? Merci beaucoup. J'ai ramené quand même. L'expérience des voyages précédents nous a montré, enseigné que quand on traversait des villages et que on s'arrêtait dans certains dispensaires, les étagères étaient vides. Donc, on préfère s'adresser au dispensaire parce qu'on sait que les médicaments ne sont pas commercialisés à l'unité, au comprimé, et qui sont utilisés par les professionnels, enfin par les personnels médicaux directement à ceux qui en ont besoin et ceux qui souffrent. Si ça peut les soulager un petit peu, la majorité de ces médicaments sont des analgésiques, hein, c'est pour soulager la douleur, et puis d'autres. Un peu plus spécifique, mais c'est pareil. Madame connaît certainement la lecture des notices pour utiliser à bon escient ce qu'il y a dans toutes ces boîtes. Au dispensaire, Aimée-Claire poursuit ses consultations. Les patients viennent de tous les villages alentours, parcourant parfois des dizaines de kilomètres à pied au plein soleil. Le dispensaire est ouvert depuis 1999 et nous sommes 3 agents. L'infirmier chef de poste, l'AIS, agent itinérant de santé, plus l'accoucheuse auxiliaire, pour 3422 habitants. La plupart des patients qui viennent souffrent du paludisme. Après avoir fini de l'examiner, on prélève un peu son sang pour faire le test, voir. Si c'est le palu, on le traite, mais malheureusement, ça est en rupture. Il y a les produits du palu qui sont subventionnés. Avec 500 francs, il peut se soigner, c'est le palu. La consultation ne coûte que 100 francs.
Les médicaments du dispensaire sont proposés à l'unité et ils sont normalement contrôlés et donc conformes, ce qui est loin d'être le cas sur les marchés où des vendeurs à la sauvette proposent souvent de dangereuses contrefaçons. Là se trouve la salle de mise en observation. C'est ici qu'on garde les malades. Ici, on a une patiente souffrant du paludisme grave qu'on a hospitalisé. On a placé une perfusion avec quinine, la quinine. Mais présentement, la quinine est finie. Là, c'est du sérum salé qu'on a placé pour maintenir la voix. Il y a toute sa famille qui est là pour la soutenir. On a déjà reçu les visites des touristes. Ils sont venus nous donner des produits. Et c'est la deuxième fois maintenant qu'on reçoit des touristes. Et la plupart sont des anti-inflammatoires, soulager la douleur. Donc ça nous va vraiment droit au cœur. On souhaiterait que les touristes donnent les produits aux agents de santé. Sinon, quand la population reçoit ça directement, c'est très dangereux. Ils peuvent s'intoxiquer et avoir d'autres problèmes après. Dans l'avenir, on souhaite avoir plus d'argent parce qu'on a plus, il y a des patients, plus le nombre d'argent aussi doit s'augmenter. Non mais bon, t'imagines, mais quand on te dit comme ça directement, ça me fait drôle. Ah bah, de toute manière. Gawa est une bourgade dont les habitants vivent loin de la capitale. L'activité est en partie assurée par les petits agriculteurs qui viennent y vendre les produits de leurs terres. Très peu de touristes viennent jusqu'à Gawa. La piste n'a pas ménagé le minibus du groupe. Elle l'a tellement secoué qu'il est hors service. Pour le moment, car en Afrique, aucune mécanique ne rend définitivement l'âme. On a eu, comme on appelle, nos supports d'alternateur qui est cassé. Donc, ouais, c'est ce qui a fait que bon, la courroie a lâché. Donc tout à l'heure, il y allait chercher un mécanicien comme ici, on est en plein, on est à côté de des Gawa. Donc on va dépanner ça d'ici 2 heures du temps. Ouais. Ce sont les aléas d'un circuit routier. Je n'ai pas trouvé, mais... Hein? Tandis que Moumouni et son équipe s'occupent de la bonne santé du minibus, le groupe part en randonnée vers le village d'Obiré, accompagné de Bébé, le guide lobby qui les a rejoints. Ce village est celui du roi des Gans, l'un des 5 souverains officiellement reconnus par l'État. Sa Majesté est en charge de 11 000 sujets qui le respectent. Lui leur doit assistance, ce qu'il fait dans ce village en hébergeant les plus démunis. Il veut bien. Ok. Et ça ? Voilà. Merci beaucoup. Le jeune souverain n'est pas insensible aux rencontres avec les voyageurs. Ça nous permet d'échanger entre nous, de se connaître, la culture de l'autre et permettre à l'autre de connaître sa culture. Et moi, personnellement, en tant que garant de la continuité des traditions, ça me réconforte. Et quand les touristes passent, il faut vraiment bien les accueillir. Donc, je me dis que le tourisme est une bonne chose et ça permet de lutter contre la pauvreté. Jean-Pierre et Dany distribuent des présents apportés spécialement. Visiblement, il n'est pas toujours facile de gérer le succès de ces actions. Tiens, donne au tout petit là. Oui.
Venus d'on ne sait où, des mécaniciens armés d'un poste à souder ont rejoint Moumouni et Alassane. Le carter d'alternateur a rendu l'âme. La réparation prendra plus de temps que prévu. Il faut improviser un campement sur place et espérer que la réparation sera possible. Dans cette région où les loisirs sont rares, des étrangers en panne sont un spectacle en soi. Ils attirent de jeunes curieux venus du village tout proche. Soyez les bienvenus dans notre corps de l'amitié. Dans notre corps de l'amitié. Union, discipline, travail, c'est notre devise. C'est notre devise. Il y a maintenant 8 heures que Moumouni et son équipe opèrent le minibus. Il ne reste plus qu'à remonter et espérer que le moteur reparte. Uélé, uélé, Maliba m'a cassé. Oye, Benonoye. Oye, Benonoye. Oh, Benono. Oh, Benono. Oye, Benono. Après tant d'efforts portés par le chant des enfants, le moteur repart. Un instant magique. Tout le monde peut enfin aller se coucher. Ce qui me fait mal au cœur, c'est vraiment cette misère. C'est vraiment... Les gens sont gentils, accueillants. Ils sont tristes. Il suffit que tu leur dises bonjour pour que le sourire arrive et qu'ils te fassent signe. Mais il faut aller vers eux. Sinon, eux, ils sont plutôt en retrait, je trouve. C'est parce qu'ils sont fiers. Peut-être qu'ils sont fiers ou tristes, je ne sais pas. Non, tu penses que c'est de la fierté, toi? Moi, je pense que c'est de la fierté. Moi, je pense que c'est de la fierté. C'est de l'intelligence, c'est pas de la fierté. Oui, mais ils sont fiers de ce qui. Oui, c'est ça. C'est l'intelligence. C'est une forme d'intelligence. Mais bon, comme tu... Ou de respect, peut-être. Si tu donnes quelque chose comme ça, sans dire, sans te présenter, sans... T'as l'impression qu'ils font l'aumône. Ah, comme oui. Tu y vas et que tu discutes avec eux, oui, et que tu leur apportes des choses après, bon, bah, ils sont, c'est comme un cadeau entre amis. Ouais, mais tu jettes pas un billet ou quelque chose comme ça, voilà. Donc il faut que ce soit quand même un peu... qu'ils sentent qu'il y ait... pas d'affectif, parce qu'on se connaît pas assez, mais qu'il y ait quand même un peu... quelque chose qui rapproche, quoi, qui... C'est pas un os que tu jettes à un chien. C'est difficile, hein. Oui, voilà. Parce comme les gens dans les villas ne parlent pas français, donc c'est difficile de s'approcher aux gens et discuter. Ils veulent bien discuter, mais comme ils parlent pas la langue. Mais on arrive à se faire comprendre quand même. Entre gens intelligents. Oui. Ils sont censés. Tu sais, en ce moment, ils se réservent. Ils se réservent. Ils veulent s'approcher, mais ils se disent que bon, ils ne veulent pas se faire honnir. S'ils s'approchent après, ils partent comme ça. Ouais, à quelque part, ça ne va pas. Donc, ils se réservent. Et quand les souris viennent vers eux, voilà, vous voyez que les souris commencent à venir. Les gens se rapprochent d'eux-mêmes. Voilà. Le minibus repart. Il remonte vers le nord, passera par la ville de Léo pour rejoindre le village de Thiébélé. Thiébélé est un village proche de la frontière ghanéenne et fait partie du pays des Kassena, une des ethnies qui se sont installées depuis longtemps en territoire burkinabé.
Ses habitants vivent de l'agriculture et de l'élevage. En suivant quelques minutes l'unique route de terre qui traverse Tiébélé, on arrive à la cour royale. Ce palais est décoré selon l'art traditionnel Kassena, entièrement réalisé par les femmes du village. Notre groupe se promène dans ce labyrinthe décoré de formes géométriques et de signes qui expriment la vie des habitants de chaque maison. Les habitants du palais appartiennent tous à la famille royale et la décoration de leurs cases a une réputation internationale. Les visites du palais et de nombreuses autres initiatives sont assurées par l'association du développement de Tiébélé. Michel Dansongo est l'un des responsables. Leur objectif est de redistribuer l'argent gagné avec le tourisme. C'est dans l'auberge de cette association que notre groupe dormira. Nous avons environ 15 personnes qui travaillent dans l'auberge. Nous avons à peu près 15 guides, 4 cuisiniers et d'autres jeunes qui travaillent dans l'auberge, qui fait le nettoyage, d'autres pistes de l'eau. Bon, environ 15 jeunes qui travaillent dans l'auberge. Et sur les revenus de l'auberge, c'est juste pour aider les femmes à faire le crédit, le microcrédit dans les villages. Parce que souvent, nous avons remarqué que les femmes, elles ont envie de faire le petit commerce, mais elles n'ont pas de moyens pour aller à la caisse pour pouvoir prendre un crédit. Une partie des bénéfices est aussi reversée aux femmes artistes qui décorent les maisons. C'est un travail difficile. À la base, pour l'enduit, elle mélange de la latérite, de la bouse de vache et de l'eau. Elles sont une trentaine à savoir encore exprimer cet art qui se transmet de mère en fille. Lorsque le soleil a séché les murs, avec des peintures constituées de charbon de bois, de crépilé, elles tracent des signes qui représentent des outils, des ustensiles de la vie courante, des armes ou des animaux sacrés. Ces décorations murales servent de pièces d'identité à la case, mais aussi de protection contre les pluies. Michel souhaite présenter l'une de ses fiertés. Je vous présente la bibliothèque d'Ibridani. Nous, l'auberge, la chambre fait 5 000 francs. Et dans les 5 000, il y a 10 % pour le fonctionnement de la bibliothèque. Les livres sont collectés à partir de France. Ça vient de la partie avec l'association des Bridanais qui se trouve en France et qui collecte les livres et qui envoie chaque année. Et le fonctionnement ici, c'est les récréations que les élèves viennent pour lire. Et après, de 14h à 15h, tous les jeudis et les samedis. C'est un plaisir pour moi d'avoir mes enfants ou soit mes petits frères qui arrivent à lire pour moi c'est améliorer leurs études. Moi ça me plaît et c'est l'honneur pour moi. Le minibus s'engage sur la route du retour vers Ouagadougou. Il y a plus de 10 jours que le groupe est parti. On est similaire. D'accord. C'est qui celui-là, similaire? Ah ben similaire, c'est un secret. Avant de rejoindre la capitale, il doit s'arrêter pour une dernière halte. Un lieu à la fois étrange, inquiétant, mais qui est devenu un exemple concret de réussite solidaire.
Les habitants de Bazoulé vénèrent un animal inquiétant et dangereux. Ils ont compris que les touristes étaient attirés par les sensations fortes. Ainsi est née l'idée d'en tirer profit pour le bien de la population du village. L'entente cordiale entre les villageois et les crocodiles garantit aux deux populations, crocodiles et humaines, une amélioration de leur qualité de vie. Seule concession nécessaire, satisfaire la curiosité. Alphonse Caboret, comme tous les enfants du village, a grandi avec les crocodiles. Non seulement il n'en a plus peur, mais il les respecte et il est certain que c'est réciproque. Il a 30 ans et il est à l'origine du projet de développement équitable de Bazoulé. En fait, le projet est né depuis 1999. Donc c'est en 1999 qu'on a eu l'idée de créer l'association Tourisme et Développement de Bazoulé. Sinon, les touristes venaient seulement avec les guides de la capitale pour les visiter, mais ça ne payait pas, ils venaient visiter gratuitement. Et les jeunes ont eu l'idée en fait, de s'organiser. Comme ça, en fait, avec l'argent qu'on recueille, on peut quand même développer ou initier des activités, des micro-activités pour développer le village. Au début, on était 7, mais aujourd'hui, on est plus de 42 jeunes qui travaillent dans le projet global. Depuis mon enfance, j'ai vécu avec les crocos ici, donc j'ai plus peur d'eux. Au début, ça faisait peur, c'est vrai, mais actuellement, j'ai plus peur d'eux. Il y a la confiance. Donc, les enfants du village, ils se baignent dans la mare ici. Et quand il y a le nénuphar, pendant la période du nénuphar, ils se plongent pour pouvoir enlever le nénuphar parce qu'on mange le nénuphar. Et les crocos, en fait, ils savent maintenant que non, il ne faut pas attaquer les gens. Et même les animaux qui viennent boire, ils n'attaquent pas. Donc, en fait, il y a une cohabitation directe, franchement, entre la population et puis les crocodiles. Et en avril, mars-avril, l'eau finit ici. Il reste seulement de la boue. Donc à ce moment, les femelles sont obligées d'attaquer les mâles parce que les mâles bouffent les petits. C'est la loi de la nature. Donc les mâles quittent la mare et se mettent dans les familles à côté. Donc tu peux te lever le matin trouver qu'il y a 3 crocodiles dans le poulailler ou sous le grenier comme ça. Donc ils sont inoffensifs. Donc les femmes qui sont dans la famille, ils versent de l'eau sur eux pour les mouiller parce qu'ils sont venus pour se caser là-bas. Et puis le chef de famille, lui, il trouve des poulets pour les nourrir chaque fois. Donc, ça fait l'honneur de la famille. Et quand le crocodile repart dans la mare, ça fait une fête pour la famille. Voilà, donc ici, en fait, c'est l'école La Cage du Savoir. En Morée, ça s'appelle Bangrezaka. Donc on a eu l'idée en fait, de créer cette école parce qu'au niveau du tourisme, c'est lié carrément au tourisme. On a vu que depuis qu'on a créé le projet, bon, il y a des enfants qui viennent, parce qu'il y a des touristes qui sont là tout le temps. Et il ne faut pas que en fait, les enfants deviennent des mendiants. Et la première des choses, c'est qu'en fait, on a vu qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Ça, c'est le premier point. Et comme ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, bon, ils sont là-bas, ça quoi, ils suivent les blancs et tout. Nous, on a dit que c'est mieux en fait, qu'on crée l'école. Et pour leur donner une seconde chance et permettre aussi à ceux qui veulent en fait faire quelque chose dans leur vie, bon, par exemple au niveau des métiers, voilà, ils peuvent apprendre en fait à sculpter, ils peuvent apprendre à élever, à faire le maraîchage, ils peuvent apprendre tout métier ici. Donc l'idée au début c'était ça, voilà. Et en 2003, on a lancé en fait la première classe et actuellement on a 4 classes, on a plus d'une centaine d'apprenants dans ce centre. Et on a vu qu'en fait, l'objectif s'est atteint parce que les enfants qui venaient sur le site, qui demandaient 10 francs aux touristes, 5 francs, 100 francs, ça c'est fini. Quoi. La démonstration que si les projets de tourisme impliqués sont menés sérieusement, les résultats sont à la hauteur des espérances et des besoins. Des besoins qu'ont les populations les plus fragiles, les femmes et plus souvent encore les enfants. Les soutiens sont rares, mais lorsqu'un projet comme celui-ci fonctionne, il attire les convoitises. On a déjà commencé même à faire des démarches pour ça. On a eu à introduire une demande au niveau du ministère de l'Environnement et des cartes de vie pour qu'en fait la zone soit protégée et officiellement. Comme ça, en fait, on a l'assurance qu'en fait les crocos seront protégés dans l'avenir. Voilà, et quand viendra le lotissement, les choses comme ça, on ne pourra pas toucher en fait à cette zone-là. Sinon, franchement, bon, ça peut être dénaturé si on ne prend pas des mesures pour pouvoir protéger ça.
C'est le dernier après-midi, le dernier repas avant de quitter l'Afrique. Bon appétit, hein. Comme toujours, des enfants venus des villages voisins ou de nulle part rejoignent le groupe. Comme toujours, lors de ce voyage, les repas ont été partagés. Pour ce dernier pique-nique, tout sera mangé. Il ne doit rien rester. Ils ne veulent rien gâcher, tout distribuer. Le retour en ville est un choc. Il les rapproche du départ. Encore quelques mains serrées, quelques sourires. Pour quelques instants encore, deux mondes si proches et si différents se côtoient. En attendant le vol de nuit pour l'Europe, le groupe passe un dernier moment à table, un instant propice aux confidences et aux émotions de fin de voyage. Oui, il est sûr que je garderai longtemps en mémoire une dame qu'on a été voir dans son village, un village qui ne voit jamais personne. Alassane, notre cuisinier, nous a indiqué un village caché un peu derrière le campement où les enfants ne venaient pas le soir nous voir autour du feu comme d'autres enfants. Et nous, on y est allés le lendemain matin, leur apporter des vêtements, des petites choses et tout. Et la grand-mère, elle avait les yeux tout collés, tout abîmés. Et sur nous, on avait des lingettes, on lui a nettoyé les yeux, on lui a mis de la crème. Et après, elle a pleuré en nous tenant dans les bras. Écoute, on est reparti, on avait vraiment, vraiment les boules. Et c'était épouvantable. Et elle, je l'aurais dans ma tête pendant longtemps. Si on pouvait venir plus souvent, leur apporter encore plus de choses... donner aux enfants, les aider au maximum, on le ferait. Et ça, vraiment, ça nous touche énormément. Moi, de voir des petits comme ça, dans la misère, avec des haillons sur le dos, qui mangent qu'une seule fois par jour, de voir toute cette misère, moi, ça me touche vraiment trop. Et ça, je l'aurais dans la tête, et je vois mon mari, et il me dit, je sais pas si j'arriverai à revenir. Tellement, ça le retourne. Oh ben moi, ce qui me meut toujours, nous qui sommes des nantis et des privilégiés... C'est la pauvreté, mais contrairement à chez nous, la pauvreté, elle se cache. Là, la pauvreté, elle ne se cache pas parce qu'elle est très authentique. C'est affreux ce que je veux dire, mais elle est presque naturelle, quoi. Ils ne demandent pas certainement à vivre pour le moment comme chez nous. On est à des années-lumière de ce qu'on a traversé, nous, pour arriver à notre condition, mais eux simplement par des petites choses quoi, qui se transcrivent simplement par des regards, par des sourires, par des touchers de main, par des choses comme ça. Donc ça m'émeut. Parce qu'ils vivent dans un truc, et puis tu vois des trucs.